notre Dieu, toi qui entends nos prières et nos supplications, que ce soit une nouvelle saison pour ton peuple, de manière individuelle, Seigneur, tu as distribué l'esprit de grâce et l'esprit de supplication, et de manière collective, Seigneur, que ce soit un raz-de-marée, Seigneur, spirituel, dans le nom puissant de Jésus. Que lorsqu'on se réunit, ce soit comme le bruit d'un grand tsunami qui vient pour ravager tout le camp de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est planté depuis des années sera déraciné dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est enfoncé depuis des années sera arraché, jeté au loin dans le nom puissant de Jésus. Père, construis une nouvelle saison. Construis une nouvelle saison. Tu as dit le mois d'août, mois des nouveaux recommencements. Père, tu recommences toutes choses nouvelles. Dans le nom puissant de Jésus, tu bâtis selon des nouvelles fondations, tu construis selon des bonnes dispositions. Père, l'édifice que tu bâtis ne sera point détruit, Seigneur Père, mais ce sera solide, sera puissant dans le nom de Jésus. Et tout cela pour ta gloire. Alors merci Seigneur, car cet édifice, c'est Sergi que tu bâtis, l'édifice de chacun d'entre nous que tu construis. Père, merci pour ta parole, merci. Reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie, oh, et reçois nos amen. Et nous disons amen à notre Dieu. Seigneur, nous te remercions pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais d'être ici. Merci pour tout ce que tu as accompli au nom de Jésus. Seigneur, me dis bon, amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Wow, merci. Merci notre Dieu. Le Seigneur m'avait montré qu'il allait répandre l'esprit de grâce et de prière et de supplication. Il l'a fait au premier culte, il l'a fait au deuxième culte, alors acclame-le. Ce n'est pas acquis, ce n'est jamais un acquis. Simplement sa grâce qui nous a trouvés. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci. Alléluia. Bon, la prédication est finie, on peut rentrer chez nous. Dieu a démontré la prédication. Mais avant, on va quand même expliquer. Mais avant cela, on va acclamer le Seigneur pour la présence du pasteur Armand, ainsi que de maman Smith. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, ainsi que notre chère maman Smith. Il est notre fils dans le ministère. Il a dit une grande source de bénédiction pour nous. Donc alors, si tu vraiment il a été, est-ce que tu peux lui montrer quand on regrette un peu qu'il soit parti à Strasbourg? Oh. Bonsoir et bienvenue, pasteur Ramon. Vraiment, c'est une joie de t'avoir avec nous. Bon, si tu m'avais envoyé le message un peu plus tôt, je me serais assis, quoi. Mais bon, le Seigneur est bon. Quelqu'un me dise un bras. Amen. Acclamons le Seigneur pour son serviteur. On peut prendre place. On lui laissera la parole tout à l'heure afin qu'il puisse, à la fin, il va prier pour la fin. Il va nous donner aussi des bonnes nouvelles de Strasbourg par la grâce de Dieu. Amen. Ah, merci Seigneur. Vraiment, on peut rendre grâce à Dieu. Comme je l'ai dit, le Seigneur a déjà donné la prédication. Parce que c'est aujourd'hui, nous voulons être dans la continuité de ce que le Seigneur nous a enseigné depuis plusieurs semaines. Et le titre du message, c'est le même titre que le pasteur Yvan a donné la semaine dernière sur la supplication. C'est la supplication, deux points, la prière qui change l'impossible en possible. L'impossible en possible. Alléluia. Et bien aimé, c'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Vous savez, Dieu parle de différentes manières. Et souvent, en fait, on ne prête pas attention aux prophéties que Dieu annonce. Et Dieu parfois annonce des prophéties juste en nous montrant certaines choses et en mettant notre attention sur une chose qui est autour de nous. Il le faisait par Jérémie. Il dit, Jérémie, regarde l'amandier. Ainsi en est de ma parole. L'amandier, c'est le signe de la fidélité. Dieu, montrant cela à Jérémie, lui dit, tu vois l'amandier, je vais accomplir ma parole. Et cette semaine, alors que le vendredi, nous avons un temps de prière, il y a une sœur qui est venue avec un t-shirt. Est-ce que vous pouvez montrer, j'ai demandé de prendre en photo son t-shirt. Est-ce que vous pouvez montrer le t-shirt, s'il vous plaît, la régie? Et ce t-shirt est un message pour chacun d'entre nous. Et ce t-shirt est un message, il a été un message pour nous et il sera un message aussi pour toi, dans le nom de Jésus. Dans ce t-shirt, il est marqué, anything is possible. Ça veut dire que tout est possible. Bien-aimé, reçois ce message de la part du Seigneur. Tout est possible pour toi. Tout est possible pour nous, dans le nom de Jésus.
Ah, tu as raison d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, prête attention aux paroles du Seigneur. Et parfois, il parle au travers d'un t-shirt. Alléluia. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, notre Dieu a toujours désiré le bonheur pour chacun d'entre nous. Et là, tu dis, amen. Oui, il désire le bonheur pour chacun d'entre nous. Et il sait qu'on a des besoins. Et sa volonté, c'est de pourvoir à tous nos besoins. Et cependant, pour qu'il puisse répondre à tous nos besoins, il nous a dit, il faut que nous puissions l'invoquer, c'est-à-dire prier. Et il le dit en Philippiens 4, verset 6. L'apôtre Paul, alors qu'il est en prison, il envoie une lettre aux églises. Et il dit, verset 6 de Philippiens 4, il dit, ne vous inquiétez de... Mais en toute chose, quel que soit le domaine, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Et ce matin, je dis, on va rester dans l'enseignement de la puissance de la prière, de la supplication. Et si Dieu met l'accent sur ce type de prière, c'est que, bien aimé, c'est une clé pour toi et pour moi. C'est une clé qui va ouvrir la porte à des exaucements extraordinaires. C'est la clé qui va ouvrir la porte à des prières que tu faisais depuis longtemps. Dans cette saison, tu vas voir la manifestation dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Donc on comprend qu'on doit invoquer Dieu. Mais Jacques 4, verset 3 nous avertit d'une chose. Il dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez, vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous ne le faites pas de la bonne manière. Ça veut dire que, bien aimé, la prière, c'est quelque chose qui s'apprend. L'art de la prière s'apprend. Et Dieu est en train de nous enseigner l'art de la supplication, un type de prière afin d'être exaucé, afin que l'impossible puisse être changé en possible. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et quand je dis, la prière s'apprend, et c'est mon premier point, il y a différents types de prières et différentes attitudes dans la prière. En Luc 11, Jésus, alors qu'il priait, ses disciples l'ont vu et dit, Jésus, mais apprends-nous à prier. Montre-nous comment on peut prier. Parce qu'on t'a vu agir. On a vu comment tu parles avec autorité. On voit les exaucements que tu obtiens. Mais c'est quoi ton secret dans la prière? Après, il leur donne la prière de notre Père. Et ensuite, il précise certaines choses dans les attitudes de prière. Et c'est là, on va en Luc 11, au verset 9. Il leur dit ceci en version parole vivante. Il dit, il y a plusieurs degrés dans la prière. Il y a plusieurs niveaux dans la prière. Il dit ceci en verset 9 de Luc 11, verset parole vivante. Il dit, ainsi moi, je vous le dis, demandez et continuez à... Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. La prédication nécessite une réponse, bien-aimé. La prédication nécessite ta participation. Parce que Dieu n'est pas là pour faire de la figuration. J'ai dit, Seigneur, à partir de cette saison, tous les cultes doivent être différents. C'est-à-dire que quand on vient en culte, tu dois sortir du culte embrasé avec quelque chose. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Mais il faut ta participation, bien-aimé. Alléluia. Donc on reprend. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et continuez à demander. Et vous recevrez. Alléluia. Il dit ensuite, cherchez. On fait quoi? On persévérez dans votre recherche. Et vous trouverez. Alléluia. Et après, il poursuit, il dit, frappez, insistez, et la porte restera bloquée. Le cadenas restera fermé. Il dit quoi? Attendez, je vérifie. Peut-être ma version n'est pas bonne. Je crois que c'est la version du diable qu'on m'a mise. Moi, je reprends la bonne version. Et la bonne version dit, et la porte vous sera ouverte. Alors, bien-aimé, continue à demander, continue à le chercher, continue à frapper. La porte sera ouverte. La porte sera ouverte dans le nom puissant de Jésus. Car il dit, car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche finalement, au terme de sa recherche, finit toujours par trouver. Et à celui qui frappe avec insistance, alors la porte sera ouverte. Ce sera notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous dit qu'il faut s'imaginer la relation avec Dieu ou la relation à Dieu comme un immeuble à plusieurs étages. Et chaque étage correspond à une dimension avec Dieu. Chaque étage, c'est le même Dieu. Mais on le trouve
dans différentes facettes et dans différentes dimensions avec lui. Est-ce que tu me suis? Dans chaque étage, il y a des exaucements. Dans chaque étage, il y a des richesses. Dans chaque étage, il y a des révélations. Mais à différentes intensités. Le même Dieu omniprésent à tous les niveaux, mais différent. Alléluia. Et on doit tous comprendre que selon notre histoire, ou selon ce que Dieu veut faire dans notre vie, chacun rencontre Dieu à différents niveaux. Alléluia. Et on doit comprendre, bien aimé, que si tu as demandé et que tu n'as pas trouvé encore, passe à un autre niveau, cherche-le. Et si tu as cherché, tu as trouvé, tu sembles trouver une clé, continue, tu repasses au frappé et tu verras Dieu agir. Alléluia. Comme j'ai dit, il y a différents niveaux avec Dieu. La dernière fois, je suis parti au supermarché, j'avais besoin d'un produit et j'ai cherché, je ne trouvais pas le produit. Je dis, mais comment ça se fait que vous n'avez pas ce produit-là? Je dis, monsieur, il y a d'autres étages. Il faut monter à l'autre étage. Le produit, vous allez le trouver. Bien-aimé, ce que tu as demandé n'est pas à cet étage. Il faut monter d'étage. Il faut changer de niveau. Il faut changer de dimension. Dis-moi, Abraham. Dis, voisin, dis à ton voisin, voisin, c'est à l'autre étage. Dis-lui pas en bas, en haut, en haut. Dis-moi, Abraham. Alléluia, acclame le Seigneur. Alors Dieu nous dit, il y a plusieurs dimensions avec Dieu. Il y a d'abord la dimension du demander. C'est le premier niveau. Et demander, en grec, c'est aïtéo. Dis avec moi, aïtéo. Aïtéo, ça veut dire demander. Ça veut dire prier. Ça veut dire appeler. Ça veut dire implorer. Ça veut dire désirer, revendiquer, réclamer, plaider. C'est tout simplement s'adresser à Dieu dans nos prières. Et Dieu veut que tu t'adresses à lui dans tes prières. Comme on l'a lu dans Philippiens 4, 10. Parce que s'adresser à lui dans nos prières, c'est un signe de foi. Parce qu'on a on a l'assurance qu'il va nous donner ce qu'on a demandé, car c'est sa volonté. Alléluia. Et à ce niveau, par la grâce de Dieu, lorsqu'on a demandé, on a reçu quelque chose. Merci mon frère. Tu peux dire encore amen. Donc je reprends. À ce niveau, on a demandé et on a reçu quelque chose. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Oui, on a reçu quelque chose. Alléluia. Mais ton amen était un peu timide parce que tu t'es rendu compte que tu as demandé, mais que tu n'as pas tout reçu à ce niveau-là. Parce que tout n'est pas trouvé à ce niveau. C'est pour ça qu'il faut que tu montes de niveau. J'ai dit, tu dois monter de niveau. Alléluia. Amen. 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 Au niveau du demander, on ne trouve pas tout. On doit passer maintenant au niveau du chercher. Chercher en grec c'est zétéo. Dis avec moi zétéo. Zétéo, ça veut dire chercher dans le but de trouver. Chercher en posant des questions pour résoudre un problème. Chercher par le raisonnement. Chercher par la méditation. Chercher en s'interrogeant. C'est le moment où tu dis Seigneur, quand même, j'ai le désir de me marier. Et je sais que c'est ta volonté que les jeunes filles puissent se marier. Mais j'ai constaté, alors que j'étais demandé, Seigneur, quand même, il faut qu'un frère me voie, quand même. Mais j'ai constaté dans ma famille qu'on commence une relation et la relation se brise. Mais Père, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, tu commences à chercher Dieu. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te montrerai les choses que tu ne connais pas, les choses cachées, les choses dont tu as besoin de savoir. Et alors tu demandes à Dieu, tu interroges Dieu. Et Dieu peut-être révéler qu'il y a des choses qui ont été faites dans ta famille et que tu dois prier de telle ou telle manière. C'est ça, chercher Dieu. Le but, c'est de trouver la clé qui va ouvrir la porte. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Le but, c'est de comprendre, Seigneur, c'est quel principe je dois mettre en pratique. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Et le psaume 25, verset 14 nous dit ceci. Psaume 25, verset 14 nous dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Il dit ici, quand j'établis une amitié avec Dieu, c'est-à-dire une communion, une proximité avec Dieu, il me révèle ses secrets. Il me donne des instructions. Il me dit, pour cette situation, tu sais, le problème c'est quoi? Va demander pardon. Pour cette situation, va semer pour telle personne. Pour cette situation, décide de jeûner tant. Il me donne des clés, bien-aimés, afin que ma vie puisse avancer,
afin que ma vie puisse progresser. Oh bien-aimé, que tu puisses trouver les clés qui vont ouvrir les portes de ta vie. Que tu puisses trouver les clés qui vont ouvrir les portes de ta vie. Que tu puisses trouver les clés qui vont ouvrir les portes de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ça, c'est le niveau du chercher. Et quand on a cherché, qu'on a trouvé la clé, Dieu nous dit, il faut continuer à avancer. C'est-à-dire que il faut, je veux dire autrement, il te dit, passe maintenant au niveau du frapper. Au niveau du frapper, c'est que tu prends la clé. Tu insistes avec cette clé afin que la porte soit ouverte. Et on l'a constaté pour la plupart à la maison, on tourne la clé une première fois et la porte n'est pas encore ouverte. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des portes à double tour. Et c'est rare, trois tours quand même. Mais, et donc du coup, pour ouvrir la porte, je tourne une deuxième fois et la porte finit par s'ouvrir, n'est-ce pas? Alléluia! Mais avec Dieu, j'ai constaté qu'il y a des portes qui nécessitent pas que deux tours, mais beaucoup plus de tours. Mais il me dit une chose, que la porte va finir par s'ouvrir dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen! Alléluia! Alors, frapper, ça veut dire quoi? Frapper en grec, c'est crou. Comment on dit ça? Crou-o. Ça veut dire frapper. Ça veut dire asséner des coups à la porte afin qu'elle s'ouvre. Ça veut dire cogner à la porte jusqu'à s'ouvre. Ça veut dire abattre cette porte. Ça veut dire aussi, comme la femme dans Luc 18, venant devant le juge inique. Elle venait, elle savait ce qu'elle demandait, elle en avait droit. Et la Bible nous dit qu'elle était là à rompre la tête du juge unique. Et rompre la tête, tu te souviens, en grec c'est, tu te souviens pas, c'est upopiazo. Alléluia. Et upopiazo, bien aimé, ça veut dire asséner des hypercutes à l'ennemi. Ça veut dire mettre des coups à l'ennemi. Et quand Dieu te dit frapper, continue à insister dans la prière, continue à venir devant Dieu, continue à frapper à la porte, la porte sera ouverte dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, que lorsque la clé a été trouvée, lorsque l'instruction a été donnée, lorsque la révélation est parvenue, lorsque le secret a été révélé, continue à appliquer le secret. Continue à piquer la clé jusqu'à ce que la porte puisse s'ouvrir. Dis-moi un bon amen à cela. Et dans cette saison, Dieu nous a dit, la clé des exaucements, c'est la prière de supplication. C'est la prière de supplication. Et on doit continuer et persévérer dans cela, dans le nom de Jésus. Prenons un exemple. Quelqu'un regarde la parole en 2 Corinthiens 9, verset 8, qui nous dit, et Dieu peut vous donner, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ce verset nous dit que Dieu va pourvoir, va permettre que j'ai des grâces pour subvenir à mes besoins. C'est la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est la volonté de Dieu que je puisse subvenir à mes besoins. Prenons un frère, il n'a pas d'emploi. Il demande, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses intervenir dans ma vie. J'ai des besoins, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de prendre soin de mon foyer. Et alors Dieu intervient, peut-être par des aides, par quelqu'un qui lui donne quelque chose, ou peut-être l'aide sociale. C'est l'intervention de Dieu au travers des hommes. C'est pas mal, c'est bien, c'est un commencement, mais c'est pas suffisant pour cet homme-là. Cet homme doit passer à un autre niveau à un moment donné. Et il passe au niveau du chercher. Au niveau du chercher, il va dire à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as mis en moi? Parce que bien aimé, Dieu pourvoit avant qu'il y ait le besoin. Dieu pourvoit toujours avant qu'il y ait le besoin. Donc il met en toi une destinée. Il met en toi des aptitudes. Donc cet homme va chercher devant Dieu pour dire, Seigneur, révèle-moi ce que tu as mis en moi. Et au bout d'un moment, il va réaliser, il va comprendre ce que Dieu a mis en lui. Et Dieu va peut-être l'encourager à suivre une formation. Bien aimé, Dieu t'a dit de suivre cette formation. Fais-le dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a la provision qui t'attend avec cette formation. Donc tu vas suivre cette formation, tu vas faire un effort, il y a un effort à faire. Et cet homme peut faire cela. Et il fait ses formations, il obéit à Dieu. Mais là, rien ne se passe encore. Ce n'est pas que Dieu a menti, c'est qu'il faut passer encore à l'autre niveau, au
au niveau du frappé. Et c'est là qu'il va venir dans la prière. Seigneur, selon ta parole, diminue un peu s'il te plaît. Selon ta parole, tu as déclaré que tu peux nous combler de toute grâce afin que je puisse subvenir à mes besoins. Père, ça fait plusieurs mois que je ne travaille pas. Père, ça, cette situation est illégale. Ça ne correspond pas à ce que tu as dit. J'ai suivi tes instructions, j'ai suivi ta voix. Tu m'as dit telle formation, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Père, c'est illégal. Alors Père, je viens devant toi et je te dis, fais-moi justice maintenant dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi justice maintenant dans le nom de Jésus. Fais-moi justice maintenant dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je parle à toutes ces circonstances qui étaient contre toi, qui t'empêchait de rentrer dans ton niveau de prospérité. Et je déclare selon cette parole que Dieu te comble de toute grâce afin de subvenir à tous tes besoins. Que les circonstances maintenant s'alignent afin que tu puisses accéder à la provision de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen, de bon amen. Alléluia. Et cet homme va continuer à prier jusqu'à ce que la porte va s'ouvrir. Et elle finira toujours par s'ouvrir dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc, frapper, bien-aimé, veut dire persévérer dans la prière. Frapper veut dire faire comme Jésus nous a dit en Matthieu 11, verset 12. Il dit, Matthieu 11, verset 12, que jusqu'à présent, le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. C'est-à-dire qu'il souffre de violence parce qu'il y a un ennemi qui bloque le royaume. Et il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui sont violents dans la prière, les gens qui ont décidé, Seigneur, tu as dit, oh, je ne prends pas d'autre verdict. Si tu as dit, tu vas le faire. Si tu as annoncé, tu vas l'accomplir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des violents ici? Est-ce qu'il y a des violents ici? J'ai bien dit des violents dans la prière. Des violents dans la prière. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Amen. Et tu dois vraiment être déterminé à utiliser l'art de la supplication. Alors nous voulons en quelques minutes expliquer c'est quoi l'art de la supplication. Oui, tu dois décider à utiliser l'art de supplication. Donc le point 2, comprends que la supplication, c'est s'appuyer sur la volonté de Dieu et s'appuyer sur la nature de Dieu. Ce n'est pas du tout s'apitoyer. Donc je reprends, la supplication, c'est prier en s'appuyant sur la volonté de Dieu et la nature de Dieu. Ce n'est pas s'apitoyer. Amen. Parce que la supplication, comme on l'a dit, ça ne fera pas, on ne fera pas au hasard. On regarde ce que Dieu dit dans sa parole, on voit que c'est sa volonté, et alors on dit, Seigneur, selon ce que toi tu as dit, Seigneur, cela doit s'accomplir dans ma vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, Dieu ne cache pas sa volonté. Dieu, au travers de sa parole, au travers des enseignements, au travers des prophéties, au travers de l'inspiration du Saint-Esprit, il nous dit quelle est sa volonté. Et j'ai une parole pour toi ce matin. J'ai une parole pour toi ce matin. Alléluia. C'est la parole que Jérémie a annoncée au peuple d'Israël. Jérémie avait reçu que le peuple d'Israël allait être déporté un temps en Babylone, mais après ils allaient revenir en Israël. Et c'est en Jérémie 13, verset 15 à 17, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, et je dis cette parole, elle est pour toi. Dit, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Bien-aimé, Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu tes lamentations, Dieu a vu que tu as tout perdu, Dieu a vu que tout a été saccagé, Dieu a vu les douleurs par lesquelles tu es passé. Mais verset 16, il dit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. Il te dit, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Dieu va te rémunérer sa détermination à le chercher. J'ai dit, Dieu va te rémunérer ta passion pour lui. Alléluia. Il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Il dit, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Bien-aimé, tout ce qui a été perdu sera restauré dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tout ce qui a été perdu sera restauré dans cette saison, dans le nom puissant de Jésus. Et notamment, tous les enfants qui se sont éloignés seront rapprochés dans le nom puissant de Jésus. C'est la volonté de Dieu pour toi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Donc on voit ici que Dieu nous dit quelle est sa volonté. Et je prends cette parole ce soir. Prends un temps de prière avec Dieu. Seigneur,
sur la base de ce que tu as dit à ton serviteur le 14 août 2022 à 13h28 secondes précises. Tu as dit qu'il y aura un temps de restauration pour moi. Père, ma santé doit être restaurée. Mes finances doivent être restaurées. Mon couple doit être restauré. Ma famille doit être restaurée. Tout doit être restauré. Père, je vois qu'il vient du nord, du sud. Je récupère mon intelligence. Je récupère mes capacités. Mais je récupère mes possibilités. Je récupère mes opportunités. Oh oui, Père, c'est ce que tu fais dans cette saison. Alléluia. Car quand tu connais la volonté de Dieu, la deuxième chose, tu dois être décidé à invoquer le Seigneur. Et dans le livre de Jérémie, Jérémie avait annoncé cela. Et Daniel, plusieurs années après, il regarde ce qui est écrit dans les livres de Jérémie, en Daniel 9. Il voit ce qui est écrit et il réalise, Daniel 9, verset 2, que le temps est accompli pour la manifestation de cette prophétie. Et verset 3, la Bible nous dit ceci. Il dit, « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Il dit ici, Daniel a vu que c'était la volonté de Dieu, que le peuple soit rétabli. Alors il décide de mettre du temps à part. Il décide de s'humilier devant le Seigneur. Il décide de faire preuve de détermination pour dire, Seigneur, selon ce que tu as dit, accomplis ta volonté. Et David et Daniel faisaient preuve d'humilité. Ils disaient, c'est vrai qu'on a trahi ton nom. C'est vrai qu'on n'a pas été droit. C'est vrai que nous avons péché, mais Seigneur, à cause de ton nom, à cause de l'amour de ton nom, fais-nous grâce. Donc tu dois retenir ceci, que la supplication, c'est l'art de se tenir devant Dieu avec une attitude d'humilité, une attitude de privation, c'est-à-dire on se prive de manger, on prive de sommeil pour chercher Dieu, mais aussi une attitude de détermination. Non pas pour se plaindre, bien-aimé, mais pour faire appel à la miséricorde de Dieu et à la fidélité de Dieu. Père, interviens pour nous. Tu nous as dit, Rehoboth, que tu nous as mis au large. Alors, Père, mets-nous au large de manière effective dans le nom puissant de Jésus. Tu as déclaré, ce ne sera que de la cendre, Seigneur, Père. Alors envoie du charbon, du feu, du souffle sur toutes ces situations que je ne vois plus ces situations qui me lamentaient dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu dois croire, bien-aimé, que c'est la volonté de Dieu de l'accomplir. Et pour être sûr que Dieu puisse l'accomplir, il faut connaître la nature de Dieu, ce qu'il est, son caractère, sa personne. Et la Bible nous dit que Dieu est un juste juge. Alléluia. Il est un juste juge, c'est-à-dire qu'il est fidèle à sa parole. Son trône est basé sur la justice et sur l'équité. C'est-à-dire que quand je viens devant lui, Seigneur, c'est ce que tu as dit. Et il va intervenir pour moi dans le nom puissant de Jésus. Deutéronome 32,4 nous le dit. Il dit, il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Bien-aimé, il y a un moment dans ta vie où tu vas regarder en arrière, tu vas constater que ses œuvres sont parfaites. Ce n'était pas évident, mais ses œuvres sont parfaites. Car il dit, car toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est ça notre Dieu, il est droit. Et c'est pourquoi Isaïe 43, verset 26 nous disait ceci, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Il te dit ici, c'est pas qu'il a oublié, mais il te dit, moi j'agis que sur la base de ma parole. Rappelle-moi ma parole, présente-moi la parole. Comme on a dit, on est comme devant un juste juge. Voici ce qui est écrit, voici ce qui est annoncé. Alors Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Interviens pour moi, pas à cause de moi, mais à cause du fait que je viens au nom de Jésus. Ce nom qui est le titre le plus élevé, qui a obtenu le titre le plus élevé dans le ciel. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le nom de celui qui s'est sacrifié pour moi. Père, sur la base de cela, exauce-moi. Exauce mon frère. Exauce mon église. Exauce ma famille. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. L'art de la supplication. Amen. Et tu dois être déterminé, bien-aimé, à faire cela et à te confier pleinement dans le Seigneur. Parce que Dieu, dans cette saison, désire véritablement t'exaucer. Et il veut que nous puissions appliquer cela. Alléluia. Il désire que nous puissions appliquer cette clé. C'est la clé qu'il a révélée. Et je vais te donner maintenant le troisième point,
je vais te donner trois clés pour vivre cette dimension de supplication. Donc pour vivre cette dimension de supplication, il faut pratiquer le GHD. Dis avec moi, GHD. Rassure-toi, je vais expliquer. Il faut appliquer le GHD. Parce que ce soir, tu vas arriver à la maison, le pasteur a prêché sur quoi? Oh, je ne sais plus, mais je sais une chose, il faut pratiquer le GHD. Tu vas bien retenir. Dis à ton voisin, GHD. Dis à l'autre, GHD. Alléluia. Ce n'est pas un nom de rappeur, rassure-toi. Le GHD, G, c'est pour demander la grâce de. Alléluia. C'est-à-dire te demander la grâce de l'esprit de prière et l'esprit de supplication. Parce que c'est vraiment une grâce. Et on ne peut pas faire quelque chose si Dieu ne nous a pas donné la grâce pour. Parce que des fois, on peut prendre des bonnes résolutions. Le mardi, on se lève pour prier. Le mercredi, on se lève. Le jeudi, on se lève. Même déjà le jeudi, on se lève un peu plus tard. Le vendredi, il n'y a plus personne. Où sont les bonnes résolutions? On peut prendre des bonnes résolutions, mais il nous faut la grâce pour faire la chose. Alléluia! Il faut la grâce pour faire la chose. Bien aimé, il faut une capacité pour pouvoir prier, te lever en plein milieu de la nuit, prendre 3 heures de prière ou 4 heures. Il faut une capacité pour cela. Et tout seul, sans mettre YouTube, juste toi avec Dieu. Bien aimé, il faut une capacité pour ça. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia! Il faut une capacité pour arriver à prendre du temps dans la prière. Et Zacharie 12, verset 10, nous dit ceci. Alors je répandrai sur la maison de Sergi. J'ai dit, je répandrai sur la maison de Sergi et sur les habitants du Val d'Oise, du 60, du 78, du 95, un esprit de grâce et un esprit de supplication. Et là, tu dis, je reçois! Alléluia! Amen! Bien aimé, Dieu veut te donner cette grâce. Dieu l'a fait, Dieu l'a déjà communiqué aujourd'hui. Et il veut que tu l'entretiennes, cette grâce. Parce que, bien aimé, sans cette grâce, c'est impossible de prier longtemps. Sans cette grâce, tu vas t'endormir dans la prière. Je vais te faire une confession, je l'ai fait au premier culte. Ça m'est arrivé, alors que je priais, de m'endormir. Bon, je sais que ce n'est pas ton cas. Mais on a des photos où tu étais prosterné en train de prier au bout de 2 heures. Merci. Il faut une grâce, bien aimé, pour ne pas s'endormir lorsque nous prions. Parce que le diable le sait. Il sait que la prière est une arme efficace. Il sait. Donc il met sur nous l'esprit de lourdeur, l'esprit d'apesanteur. Pour que. Et remarque, regarde le diable comment il est. Tu n'as jamais remarqué? Tu pries, tu t'endors. Tu dis, bon, je suis fatigué. Bon, je vais aller me reposer un peu. Tu prends ton téléphone. Et tout d'un coup, c'est comme si la fatigue n'est plus. L'heure que tu devais passer à prier, tu l'as passée à regarder autre chose. Mais c'est une ruse, l'ennemi. Est-ce que tu me suis ou pas? Jésus avait besoin de prière pour aller affronter la croix. Il prend Jacques, Jean et Pierre. Il compte sur eux. Venez, on va prier. Il dit, bon, restez là, vous priez là, moi je vais un peu à part. Et il va, il prie, il fait d'instance prière. Seigneur, ta volonté, non la mienne. Il prie. Et après, il revient et trouve endormi ces gars. Il dit, les gars, vous avez dormi, mais il faut prier. Matthieu 26, 41, veillez et priez, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut prier. Et il les laisse là, et il va continuer encore à prier. Et les gars prient, hein, ils ont prié. Mais les gars se sont endormis encore. Et il revient encore. La Bible dit qu'ils étaient apesantis par le sommeil. L'esprit de tristesse est venu sur eux. Ils n'ont pas pu prier. Par 3 fois comme ça. Bien aimé, il faut une grâce. Il faut obtenir la grâce. Mais la grâce est disponible, dis-moi bon amen. La grâce est disponible, dis-moi bon amen. Alléluia. Il te faut aussi une grâce dans la prière. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, on va passer du temps dans la prière. Mais Jésus nous a dit en Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce qu'il faut une grâce pour ne pas multiplier les vaines paroles, mais de prier de manière inspirée. Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit verset
8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous lui demandiez, mais alors, qu'est-ce que je veux dire dans la prière, puisqu'il sait déjà. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi en Romains 8, verset 21, il me semble, Romains 8, verset 21, verset 26, pardon, il nous dit que le Saint-Esprit va nous aider à prier. Il faut une grâce dans la prière. Avec ma femme, on a résolu de prendre du temps dans la prière. On prie au moins 3 heures dans la nuit. Et 3 heures, bien aimé, on commence par de la louange, de l'adoration. Des fois, on change. Et quand tu pries comme ça, tu chantes, le Saint-Esprit t'inspire, le Saint-Esprit te guide, tu fais tel chant, etc. Et je voudrais aussi préciser quelque chose, bien aimé, que quand tu pries, je te suis fait encore une autre confession. Hein. Moi, ça m'arrive quand je prie, je suis en train de prier, et j'entends une voix qui me dit, est-ce que tu as bien fermé la voiture? Est-ce que le gaz est bien éteint? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, je sais, vous n'êtes pas concerné. Mais quand c'est comme ça, bien aimé, parce qu'il y a au moins une personne qui est concernée, quand c'est comme ça, ne dis pas, ah, mais non, je suis hypocrite, là, je ne suis pas concentré. Non, non, bien aimé, c'est-à-dire que tu n'es pas encore arrivé au stade du lieu secret. Quand c'est comme ça, persévère dans la prière. Continue à adorer. Continue à l'exalter. Si tu as du mal, mets un chant sur YouTube. Continue à l'exalter. Plus tu le fais, au bout d'un moment, Dieu se révèle à toi. Tu ressens sa présence. Tu ressens son intimité. Et là, tu es en train de rentrer dans le lieu secret. Alléluia. Et là, tu poursuis avec le Seigneur. Là, au moment où quand tu as fait ça, tu sens qu'il n'y a plus toutes ces voix. Tu commences maintenant à honorer sa présence. Honorer le Saint-Esprit. Honorer. Et tu demandes au Saint-Esprit de te guider, de t'inspirer. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas prier. Je ne connais rien. Mon intelligence est limitée. Et je peux t'assurer qu'il va te donner une instruction. Il va te donner un verset, une direction. Et là, tu vas vivre des choses glorieuses dans ton salon, des choses glorieuses dans ta chambre, des choses glorieuses dans l'endroit où tu auras choisi de prier avec lui. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, la grâce est disponible. Je te dis, la grâce est disponible. Il y a 2 semaines au culte avec le pasteur Yves, au premier culte, alors que le pasteur il avait fini la prière, moi j'étais ici, j'ai ressenti le Saint-Esprit venir sur moi. Mon corps a commencé à trembler de partout. J'ai dit, j'étais chaud, j'étais en train de prier en langue, j'étais chaud. J'ai dit, vraiment. Quand j'ai comme ça là, bien aimé, c'est simplement la grâce de Dieu qui a été distribuée. Et la même grâce est là aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'ai dit la même grâce est là aujourd'hui dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et des fois, ce ne sera pas aussi spectaculaire. Ce ne sera pas toujours aussi spectaculaire. Mais la grâce est là. Et la grâce, il faut savoir l'accueillir. Comme Jésus, alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans une nouvelle dimension, comme toi, tu t'apprêtes à rentrer dans une dimension de ta vie. Donc en Luc 3, versets 21 à 22, alors que tout le monde se faisait baptiser, Jésus aussi s'est fait baptiser. Et la Bible nous dit ceci, il priait, et pendant qu'il a prié, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint, là tu dois le dire avec moi, le Saint-Esprit, c'est quand tu dis, il se manifeste. Le Saint-Esprit est descendu sous l'aspect d'une colombe, est venu sur lui. Et à partir de ce jour-là, une nouvelle dimension l'a accompagné. De la même manière, quand une grâce est donnée, là c'est la grâce de la prière et supplication, mais des fois, dans toute prédication, il y a une grâce qui est là. Prends le temps de prier, de t'attendre à Dieu. Et quand tu le fais, le ciel s'ouvre. Une nouvelle dimension de grâce, d'intercession, de supplication descend. Elle t'est accordée dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, je vois des anges au-dessus de toi, prêts à déverser sur toi une grâce nouvelle dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis avec moi la grâce. Ça, c'est le G. Le H maintenant. Parce qu'on a dit qu'il faut pratiquer le GHD. Le H, bien-aimé, c'est changer tes habitudes. Il faut changer tes habitudes. Comme on l'a lu tout à l'heure dans Daniel 9, verset 3. Dès qu'il a vu la prophétie, il a décidé de prendre du temps dans la prière. Il a décidé de chercher Dieu.
dans cette saison, bien-aimé, la grâce est là. Et pour l'activité, il faut que tu te disposes à prier. Comment ? En priant plus. Rappelle-toi, le Seigneur nous avait parlé au travail du pasteur Yvan de donner la dîme de la journée. Au moins 2h40 de prière. Tu pries le matin 1h, une demi-heure peut-être le midi, et une heure encore, enfin 1h le matin, une demi-heure le midi et une demi-heure le soir. Mais dans cette saison, bien-aimé, il faut que tu changes tes habitudes, de décider de te lever plus tôt pour chercher Dieu. De te coucher peut-être plus tôt pour chercher le Seigneur. Comme l'a dit son serviteur, le pasteur Yvan, peut-être dans la journée, prendre une petite sieste. Comme ça, la nuit, tu peux te lever pour prier. Bien-aimé, Dieu a rendez-vous avec toi. J'ai dit, Dieu a rendez-vous avec toi. Sois décidé à changer tes habitudes. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Ça, c'est le H. Et le D, bien-aimé, c'est discipline-toi dans le temps. Discipline-toi dans le temps parce que c'est comme pour faire le sport. Les bénéfices, tu le vois avec le temps. Ce n'est pas en faisant une séance comme ça de temps en temps. Mais quand tu prends l'habitude de faire des séances, tu vois les bénéfices. C'est la même chose avec la prière. Les premières fois, vous allez prier 3 heures. Des fois, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Des fois, même l'impression que tu fais un monologue. Mais bien aimé, persévère. Persévère. Et avec le temps, tu verras qu'une nouvelle gloire sera manifestée. Une capacité à rentrer dans sa présence, une capacité à connecter avec lui te sera accordée. Alléluia, dis-moi un bon amen. T'as pas remarqué qu'il y a une nouvelle capacité dans ton pasteur? Parce qu'il faut chercher Dieu, dis-moi un bon amen. Alléluia, amen. Gloire soit Dieu à son nom. Et tu ne le fais pas exprès parce que tu sais que tu as cherché Dieu et tu n'as pas demandé ça. Mais tu as demandé juste lui et il t'a donné sa capacité. Discipline-toi dans le temps. Daniel a décidé de prier pendant 21 jours. C'est Daniel 10, verset 3 qui nous le dit. 3 semaines. Il avait décidé de le faire. Mais lui, il ne savait pas ce qui se passait dans la sphère spirituelle. Dès qu'il a commencé à prier, Dieu a envoyé la réponse. Mais dans le deuxième ciel, parce que la Bible nous montre qu'il y a le premier ciel qu'on voit aujourd'hui. Il y a le deuxième ciel, le ciel où il y a les anges. Et notamment les démons, et le troisième ciel où il y a le Seigneur. Et Dieu a envoyé la réponse depuis le troisième ciel, mais bloqué dans le deuxième ciel. Et ce qui a fait que la réponse puisse venir à Daniel, c'est parce que Daniel a persévéré dans la prière. Et tout le monde a dit, frapper, insister à frapper. Donc il faut insister, persévérer. C'est pour ça que le temps est important. Il faut persévérer, se discipliner dans le temps. Alléluia. Et je sais que si tu le fais, bien-aimé, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Et nous aussi, on va le voir que Dieu t'a visité. Ah oui, nous, on va le voir. On va te voir, ta démarche a changé. Ton assurance a changé. Ta brillance a changé. Ta gloire a changé. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Amen. Alors, bien-aimé, je t'en prie, pratique le GHD. G pour, H pour, et D pour, discipline. Alléluia. Et si tu le fais, bien-aimé, en conclusion, comprends que Dieu désire répondre à tous nos besoins. Et cela est possible, on l'a dit, si on l'invoque. Et dans le psaume 20, il le dit encore, psaume 20, à partir du verset 7, il dit, il y a des personnes qui s'appuient sur leur char, qui s'appuient sur leurs chevaux, sur leurs relations, sur leurs capacités. Mais il dit, nous invoquons le nom du Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Amen. Et il dit, verset 8, eux, ceux qui s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux, eux, ils plient et ils tombent. Alléluia, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas. Mais il dit, nous tenons et nous restons debout. Alléluia. Et verset 9, il dit, Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Bien-aimé, que Dieu puisse t'exaucer lorsque tu vas l'invoquer dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse te visiter lorsque tu vas l'invoquer dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alors, bien-aimé, je t'en prie, face à tous tes besoins, ne sois pas résigné. Nous ne sommes pas démunis. Mais face à tous tes besoins, sois décidé à pratiquer l'art de la supplication. Et pratique le GHD. Demande la grâce de. Change tes habitudes. Discipline-toi. Et je sais
que toi et moi. On va vivre des exaucements extraordinaires. Extraordinaires. Acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Dis avec moi, c'est mon partage. Dis à ton voisin, voisin, c'est notre partage. Alléluia. Dis-moi un bon amen. Amen. Bon, depuis tout à l'heure, je te dis, dis à ton voisin, dis à ta voisine, mais est-ce que tu connais le prénom de ta voisine ou de ton voisin? C'est ça la question. Donc, est-ce que tu peux lui demander son prénom, s'il te plaît? Si tu es à côté de ta famille, tu te tournes vers celui qui est derrière toi ou celui qui est devant toi. Ok, tu as demandé son prénom ou pas? C'est bon? Est-ce que tu peux le noter, s'il te plaît? Parce que d'ici la fin du culte, tu auras oublié son prénom. Note son prénom sur le téléphone, sur tes notes. Note son prénom. Faut le faire, frère. Faut le faire. Est-ce que c'est fait? C'est noté? Ok. Donc cette semaine, bien-aimé, tu vas prendre un temps de prière pour ton voisin dont tu as pris le nom. Tu vas prendre un temps de prière pour lui. Tu n'as pas besoin de demander ses besoins. Il a des besoins. Et Dieu connaît ses besoins. Tu vas venir devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, agis en faveur de mon frère. Agis en faveur de ma soeur. Il a des besoins. Et tu dois intervenir pour lui. Alléluia. Et quand tu vas faire ça, bien-aimé, Proverbe 11, verset 25, nous dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et l'arroseur sera arrosé. C'est-à-dire que tu vas faire ça, Dieu lui-même va t'arroser. Alléluia. Bien-aimé, obéis à cette instruction, s'il te plaît. Alléluia. Fais-le. Tu vas voir qu'il y a une nouvelle grâce qui va t'accompagner. Et quand vous allez le faire, l'esprit de prière et de supplication va vous prendre aux entrailles. Vous allez être ému de compassion pour ces personnes. Et la grâce de Dieu va vous visiter dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je nous vois rentrer dans une nouvelle dimension. Amen. De présence de Dieu, d'exaucement. Gloire soit rendue à son nom. Acclamons le Seigneur. Ah, merci Seigneur. Ah, merci. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Nous allons élever la voix. Est-ce que tu peux élever la voix pour justement ton voisin, le recommander à la grâce de Dieu? Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur Père, et ton amour. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Donc je te demande, Seigneur Père, par tes miséricordes et par tes compassions, Père, interviens pour lui. Il a des besoins. Nous avons des besoins. Et Seigneur, tu les connais. Alors, Seigneur, nous te demandons d'agir. Nous te demandons de faire. Nous te demandons d'accomplir. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Père, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli dans le nom puissant de Jésus. Et maintenant, je vais te demander de te lever. Et maintenant, tu vas prier pour toi-même. Et tu vas élever la voix. Tout à l'heure, Dieu a déjà donné l'esprit de grâce et l'esprit de supplication. Mais redemande-le encore, parce que la grâce est progressive, la grâce, Dieu l'augmente. Et prends quelques secondes pour demander que cette grâce soit installée, soit manifestée pleinement dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te demandons la grâce de pouvoir prier, la grâce de la supplication, la grâce, Seigneur, de pouvoir nous tenir devant toi, la grâce, Seigneur, Père, de pouvoir nous attendre pleinement à toi. Père, nous comptons sur toi et nous comptons sur toi seul, Seigneur Père, encore aujourd'hui. Et tends ta main, Seigneur, sur nous tous et agis, Seigneur, en notre faveur. Père, nous croyons véritablement, Seigneur Père, pour ce que toi tu fais, ce que toi tu accomplis, Seigneur Père, au milieu de nous. Père, merci encore pour tout ce que toi tu fais. Seigneur, nous accueillons cette grâce, Seigneur. Nous accueillons cette grâce, Seigneur Père. La grâce de la prière, la grâce de l'intercession, la grâce de se tenir à la brèche. Père, relâche cette grâce sur nous dans le nom puissant de Jésus. Père, ces mains levées vers toi sont le signe, Seigneur, que nous accueillons cette grâce dans le nom puissant de Jésus. Père, dépose cette grâce, Seigneur, en nous dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons capables de prier, intercéder, de tenir à la brèche, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais,
et tout ce que toi tu as accompli, et pour tout ce que toi tu fais au milieu de nous. Que la grâce, Seigneur, soit libérée, Seigneur Père, aujourd'hui, dans le nom puissant de Dieu. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que toi tu as accompli, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Que la grâce d'être embrasé te trouve dans le nom de Jésus. Que la grâce d'être en feu te trouve dans le nom de Jésus. Que la grâce d'être rempli totalement du Saint-Esprit te trouve dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce que tu as fait et accompli au milieu de nous. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors toi qui ne connais pas Jésus, ou qui s'est éloigné du Seigneur, je voudrais t'inviter à faire cette prière et nous allons prier tous avec toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, ta présence est là et je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Alors aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur. Et tu fais de moi une toute nouvelle créature. Accorde-moi la grâce maintenant de devenir un vrai disciple. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Vous avez fait cette prière, vous avez cru dans votre cœur, vous faites pour la première fois, vous revenez à Jésus. C'est la prière qui vous conduit dans la relation d'intimité avec lui. Alors on veut prier pour vous. Vous qui avez fait cette prière pour la première fois ou qui revenez à Jésus, levez la main là où vous vous trouvez. On veut vous conduire dans cette relation, dans cette merveilleuse vie. N'ayez pas honte, levez la main. On veut vous identifier afin de vous conduire dans cette relation, dans cette intimité avec le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui veut le recevoir comme Seigneur et Sauveur? Amen. Je vois une main levée. Y a-t-il une autre personne qui veut le recevoir en tant que Seigneur et Sauveur? Car c'est le jour du salut aujourd'hui. Donc j'ai demandé aux personnes qui ont levé la main de sortir des rangs et de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. Sortez des rangs et venez, on veut prier avec vous. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît les encourager? Seigneur, merci. Merci Père pour ta grâce. Merci, amen, amen. Gloire à Dieu. Acclamons encore, ils viennent, ils sont nombreux. Alléluia. Je ne suis plus amen, amen. Esclave. Qui est puissante. Elle vous positionne maintenant pour une nouvelle vie. Et on va prier pour vous recommander la grâce de Dieu. Et après, vous allez suivre Chantal, parce que l'équipe des conseillers, vous allez marquer, on vous donner une bulle, vous allez marquer que le 14 août à 13h35, vous avez fait ce pas vers Jésus. Et c'est pour la gloire de Dieu. Nous allons tendre la main vers eux pour les recommander la grâce de Dieu. Et nous, toutes les semaines, on va prier pour vous, toutes les semaines. Vous, vous êtes devant. On va prier pour vous toutes les semaines. Seigneur, merci Père pour ta grâce, Seigneur Père, sur nos sœurs qui ont fait ce pas vers toi. Aujourd'hui, Seigneur, c'est un jour nouveau pour elles. Quel que soit l'âge, Seigneur Père, c'est un jour nouveau. Seigneur, nous voulons te les recommander à ta grâce. Soit tu vas les porter, tu vas les entourer. Et Seigneur, tu vas faire d'eux et d'elles, Seigneur Père, un véritable sujet à la gloire de ton nom. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui, tout ce que tu as réalisé. Nous te les recommandons entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclamons au Seigneur pour elles. Donc vous allez check et vous allez suivre Chantal juste quelques instants après pouvoir retourner à votre place. Tu check? Bravo, bravo, bravo. Suivez Chantal. Bravo à vous, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut leur montrer qu'elle a joie dans le ciel? De ce monde. Oui, je suis. Me dis un bon amen. Waouh, Dieu a fait des grandes choses, n'est-ce pas, aujourd'hui? Est-ce qu'on chaque dimanche, on doit dire à Dieu, Seigneur, chaque dimanche, pour que tu nous visites? Quelqu'un me dise un bon amen. Il va le faire dans le nom de Jésus. Acclamons notre Dieu.